avez dû voir dans la semaine passée la vidéo que j'ai mise sur votre Moodle sur l'internationalisation de la production. Pour vérifier si vous avez bien compris ce qui était dans cette vidéo, on va travailler sur la partie 3 de l'épreuve composée, hein, le raisonnement qui s'appuie sur un dossier documentaire. Je vais vous distribuer le sujet. Donc le travail de ce matin, ça va être de faire cette partie 3, étude du sujet, quelles connaissances il va falloir mobiliser pour traiter le sujet, et puis étude des documents, hein, avec, sur le cours Moodle, un petit test Moodle pour vérifier si les documents sont bien compris, hein, et pour voir si vous avez bien vu comment est-ce qu'on peut les utiliser et les relier entre eux. D'accord ? À des salaires plus faibles, c'est bizarre, non ? Bah, ça veut dire qu'ils vont se localiser dans les pays où les salaires sont les plus faibles. Ah oui, mais ça dépend des entreprises. Monsieur ? Oui. Le test, on en fait chacun ou un pour quatre ? On va faire à chacun, comme ça vous serez sûr, chacun d'entre vous, vous serez sûr que vous avez bien compris le document. D'accord. Dans ce texte, l'auteur explique que les firmes choisissent localisation de entre 2000 et 2015, la part des ITE sorties des économies de celle-là, en développement, a augmenté de 18%. Entre en 2000, c'était de 7,6 et en 2015 de 25,6. Ah oui. Ça fait 18, ça. 7, 6. Oui, c'est ça. Là, on avait vu bon. Ici, on n'a pas eu bon, par contre. La partie. Voilà, vous avez écouté. Développe. Ça fait pas 18%. Attends, 7. C'est 7, 8, 15. 18 plus 7, ça fait 25. 8, 8 et 7. Ah, le j'ai marqué. Ça fait 7, enfin, je fais 10, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attends, entre 2000 et 2015, la part des deux sorties. Ah non, elle n'a pas augmenté de 18%, il a augmenté du point de pourcentage, non ? C'est peut-être ça qui est le problème. C'est l'unité, ouais, en fait. Point de pourcentage. Voilà, point de pourcentage. Ah, vous êtes futé. Ça, on avait raison. Donc, quand on a fini le test, on nous dit si c'est bon ou pas. Et on a quand même si c'est bon, on a quand même une correction. Voilà. Et donc, comme ça, on sait... Enfin, ça nous explique davantage pourquoi c'est cette réponse. Et c'est vraiment pratique. Il n'y a pas de document aussi ? Ah, moi, je pense que c'est... avoir la demande avec le salaire. Et ben, parce que... Le pays, il offre des salaires plus faibles. Et ben, c'est le document 3. C, document 3 passe. Oui, bah alors déjà, sur Moodle, on a eu accès à une vidéo commentée, en fait. Ça nous permet d'avoir une autre approche des cours qu'on a d'habitude. Parce qu'avec la vidéo, on peut la regarder plusieurs fois et revenir sur des choses qu'on n'a pas compris, en fait. Puis ensuite, avec le test Moodle, ça nous permet de bien comprendre les documents et de pas de se jeter dans la rédaction sans avoir compris, en fait. Donc ça nous permet de se faire une autocorrection en fait et de vraiment savoir si on est prêt à commencer la rédaction et à faire un plan grâce à la tablette.